Faut pas que vous regardiez ça parce que vous allez être spoilé. La recette d'aujourd'hui, bon, on doit le voir entre mes doigts, mais c'est quand même quelque chose là, je viens juste de le découvrir et je suis comme un enfant. C'est fou, hein. Bon, je vous laisse à tout à l'heure. Pour cette recette, il va juste me falloir deux ingrédients. Des amandes que je vais passer au four pour les sécher un petit peu, les chauffer, et du miel. Vu que c'est quand même un crash test, et que mine de rien les amandes ça coûte cher, je voudrais pas me louper si je loupe le caramel. Je vais pas utiliser le meilleur miel que j'ai, mais je vais utiliser du miel encore quand même bon. Voilà, donc d'abord je vais faire sécher les amandes au four. Donc là c'est du temps pour temps. Hein. Donc, c'est dur de faire plus simple en termes de quantité d'ingrédients. Là il me reste à préparer le deuxième ingrédient et je vais le mettre dans une grande casserole parce que je voudrais pas que ça sorte et que ça détruise encore un petit peu plus mon gaz. Bon, tout ce qu'il y a à faire, bah, c'est faire chauffer à feu doux. Voilà. Bon, normalement ça se fait avec du miel de lavande. Vous imaginez bien que déjà au prix du miel classique et d'une recette qui est pas, je suis pas certain d'y arriver, je commence avec du miel normal. Après, si je vois que c'est facile et que j'y arrive, éventuellement, je passerai un meilleur miel. Pendant que le miel et les amandes chauffent, je vais préparer ici le moule à nougat. Donc, avec les feuilles, et là, franchement, si ça, c'était pas fait pour, c'est quasiment la même taille. Bon, j'ai quand même mis du papier sulfurisé en dessous parce que ça va sûrement couler. Voilà, les amandes sont sorties du four, elles sont chaudes. Donc là, on est loin de la couleur caramélisée qu'on attend, qui à la fin, ça devrait être noir. C'est pas. Il y a aussi deux versions que j'ai vues sur internet pour le nougat noir. Ça, j'aurais pu demander, mais je me dis, allez, on va essayer de tester ça soi-même. C'est de mettre les amandes soit dès que ça commence à former des bulles comme ça, soit quand ça commence à noircir. Je crois que je vais couper la poire en deux. Bon, je vais mettre les amandes et après, il faudra remuer pendant 5-10 minutes. Donc là, les amandes encore chaudes. Franchement, c'est magnifique. Et apparemment, pour savoir quand est-ce que le nougat est prêt, les amandes devraient commencer à chanter. Donc là, je vais voir si on peut pas se préparer pour un petit moment ASMR, AMSR. Voilà, enfin bref, vous savez. Rien que voir ça, ça donne tellement envie. J'en ai entendu une éclater. Je vais filmer, mais là, elle va peut-être plus éclater. C'est comme quand il y a le popcorn qui commence à éclater. On se dit, bon, là, il y a les premiers, et quand est-ce que je m'arrête ? Pour avoir le moment où il y en a le maximum qui soit ouvert, mais sans que ça commence à brûler. On va laisser ça de ce côté. Je vais installer la caméra là-bas. Comme ça, dès que c'est prêt, si ça vient vite, ce sera prêt pour couler. Voilà, c'est parti. Est-ce que je suis allé assez loin? Je ne sais pas. Ah, ça me paraît bien noir, ça, non? Ah, et... essayer de poser ça sans... me brûler... complètement au troisième degré. Ah, j'ai pris la température tout... Ah putain, je me suis brûlé les lèvres. Ah. Bref, je disais, je me suis... Ah. J'ai mesuré la température, j'ai pris la température tout à l'heure. Et on était quand même sur du 160 degrés. Bref, on va laisser reposer ça. Apparemment, il faut laisser reposer pas mal de temps. Mais déjà que ça refroidisse, ce serait pas mal. Là, ça refroidit. Ah, mais peut-être sûrement pas assez. Mais je vais avoir besoin du moule pour autre chose, donc faut que je récupère. Et c'est pas du tout dangereux, c'est bien. Voici le bloc de nougat noir avec, là c'est le papier d'hostie, enfin équivalent. Je vais en goûter juste un petit bout, mais il faudra que je le laisse reposer plus longtemps. En tout cas, ça donne vraiment envie. Là, on a quelque chose qui est avec plein d'amandes. Donc j'ai juste prendre le petit coin, le goûter maintenant et je vais laisser refroidir et je dégusterai vraiment demain. Ça colle, mais le goût est vraiment là. On est entre le caramel qui a durci, donc quelque chose vitrifié, et le carambar pour l'instant. Donc, je vais laisser sécher ça, mais je vais pas vous laisser comme ça non plus, sans conclusion particulière. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'y retourne pour le nougat blanc. Pour cette fois, vraiment y arriver, avoir quelque chose de liquide. Ah oui, il faut que je vous montre ce que j'ai obtenu. Bon, là, c'est vraiment pas joli parce que je suis passé plusieurs fois pour en manger, mais ça coule encore. Vous voyez là, là, ça coule, ça recoule un peu, ça se tient, mais c'est pas encore ça.
Après avoir vu les différents commentaires qu'il y avait hier, sur la vidéo d'hier, je vais repartir avec du sucre et évidemment du miel. Il n'y a plus qu'à faire chauffer avec, je vais mettre encore moins d'eau qu'hier, mettre ça d'eau, pas plus, quelque chose comme 5 grammes, et tu fais chauffer ça. Petite astuce pour les amandes, c'est de les couper avec la lame du couteau. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit, après j'ai jamais essayé. Peut-être une par une alors. Ah oui, les amandes sont prêtes. Là maintenant je le fais vraiment sans stress, sans vouloir faire des comparaisons qui ressemblent à rien, mais c'est le premier enfant de ce que j'ai entendu de ma mère, en tout cas qui disait ça. On fait super gaffe, on essaie de tout bien faire comme il disait tout. Le deuxième, bon, un peu moins, et après le troisième, on a la technique. Donc là, sans vouloir faire de comparaison un peu bizarre, je vais dire que j'ai la technique. Ah. J'ai rien dit. Et les œufs sont pas battus. Donc, maintenant, juste quand je dis ça, donc il faut battre un œuf. Voilà, on est à 145 degrés. Et... Et donc là, pour mieux faire sécher, ce qu'on m'a conseillé de faire, c'est d'utiliser un sèche-cheveux. En plus, ça pourra sécher plus haute température, pour pas que ça durcisse trop rapidement, mais que ça sèche quand même. Juste pour voir le sèche-cheveux reposé là. De faire du nougat, en tout cas là la texture est encore plus solide. De toute façon, s'il y a encore des petits ajustements, je vais arrêter pour cette période d'en faire. Éventuellement je reprendrai un de ces jours, un de ces mois. Donc là je vais mettre la feuille au dessus plus qu'à laisser refroidir. Voilà. Et bien finalement, le nougat noir aura durci à temps et le nougat blanc non. Voilà. Bon, c'est pas le truc le plus joli qui ressemble forcément à du vrai nougat noir. Ah si. Oh là 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 là. Oh. Ça c'est le petit cri de la fierté. Ah. Là on est sur du produit de... C'est vraiment ça. Je pense que le ratio amande-miel est nickel. Honnêtement, je suis refait. Bon, ma mère avait déjà fait du nougat noir quand on était petit. Je m'en souviens pas forcément, elle nous racontait ça. Donc je savais que c'était faisable et pas forcément hyper compliqué. C'est un peu méchant. Mais le refaire soi-même, il y a cette... Enfin, mais je suis refait. Vous vous rendez pas compte, c'est que... On achète souvent du nougat noir, du nougat blanc. Alors que c'est... Je comprends qu'on achète des macarons. Je suis pas encore arrivé à faire un truc simple, il faudrait peut-être que j'essaye. Bref, mais le macaron c'est long, il y a plusieurs étapes, il y a la garniture et ça. Alors que le nougat, finalement, faut juste faire cuire et mélanger. Encore plus le nougat noir. Bref. Le nougat blanc est juste à côté, il n'est pas encore prêt. J'en parlerai peut-être dans la vidéo de demain. En tout cas, ce nougat noir, super. Vraiment super. Voilà. Moi, je vais me dépêcher d'aller préparer le cours de cet après-midi. De finir de changer 2-3 petits trucs. Et je vous dis à demain. En tout cas, ça a fait ma journée.